Signature est chaude au poignet de main agrémentée de sourire entre le ministre en charge de l'économie et des finances Nialé Kaba et le vice-président de la Banque islamique de développement BID Boubakar Sidibé. La BID consent à débloquer 82 milliards de francs CFA en faveur de la Côte d'Ivoire. Première affectation, la construction de deux sections de route au odienné et Bolona-Tengrela frontière du Mali. Longueur totale 175 km. Ce programme renforcera la politique d'aménagement du territoire en stimulant les complémentarités économiques par les échanges transversaux entre différentes régions concernées de l'intérieur et participera à l'essor économique national. Il faut dire également que c'est un projet intégrateur parce que c'est un projet frontalier, c'est une route frontalière qui va donc permettre de faire la liaison entre notre pays et le Mali qui va ainsi contribuer à rendre notre pays plus compétitif en matière donc de transport de tout ce qui est marchandise en transit à partir du, de, des ports d'Abidjan et de San Pedro. La deuxième partie de l'argent servira à la reconstruction des 21 bâtiments du lycée professionnel d'Odienné, à la mise à niveau des documents et matériels didactiques et au renforcement des capacités des enseignants. Eux, ce n'est pas tout. Dans le cadre du programme 2014, je, nous avons entendu que la, la banque va euh, coordonner les bailleurs de fonds du groupe de coordination arabe pour pouvoir accompagner notre pays. Si le concours de la BId s'élève depuis ce lundi à 266,5 milliards de francs CFA, il faut rappeler que l'institution s'est engagée à hauteur de 500 milliards dans le financement du PND lors du groupe consultatif en décembre 2012 à Paris.